Salut à tous, c'est le retour de la chaîne HBTV. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Vide-Grenier Live. Ça faisait un petit moment que peut-être certains l'attendaient, mais je ne vous avais pas oublié, rassurez-vous. Même si je cherche maintenant à diffuser un petit peu plus de vidéos qui me plaisent et qui me plaisent aussi à travailler, comme faisant un petit peu de recherche, notamment sur des sujets que j'aime bien, comme la création de passages secrets, les petits tutos pratiques ou aussi les petites briques Lego. Voilà, donc il y aura quand même un petit peu de vidéos vide-grenier, puisque ça reste quand même le fil rouge de la chaîne, mais ce petit fil rouge aura tendance un petit peu à s'étoffer avec le temps. Je peux déjà vous spoiler, entre guillemets, deux petites vidéos qui vont popper pour 2020. Il va y avoir un room tour de la nouvelle gaming room. Il y aura une présentation de ce qui aura changé, évolué, il y a pas mal de vitrines en plus. Je cherche à créer un nouveau passage secret, donc il y aura aussi une vidéo tuto sur ce thématique-là. Et peut-être aussi d'autres nouvelles cachettes à découvrir dans sa maison, parce que voilà, il y a de quoi faire dans une maison mine de rien. Allez, c'est pas tout ça, mais on va vous présenter les petites trouvailles d'un week-end de vide-grenier, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vous ferai des plans un petit peu plus rapprochés des objets. Donc on a eu droit à un petit calendrier Lego Star Wars, qui est intéressant, c'est qu'il restait encore la boîte, souvent les gens s'en débarrassent.
Et en fait, dans un lot de personnages comme ceci, il y avait donc quelques vestiges de ce qu'il y avait du calendrier ou d'autres personnages. Et il y avait aussi pas mal de personnages Harry Potter, donc c'est plutôt cool, en Lego. Voilà, il y a toute une petite poche. Je vous la montre comme ça, un peu vite fait. Parce que les personnages Lego, vous allez voir que dans la vidéo, il y en aura encore un petit peu, mais plus dans la thématique Star Wars. Un petit Harry Potter, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, donc ça c'était pour la somme de 5€ le calendrier avec le petit sachet de personnages, ce qui est plutôt une très bonne affaire. Alors j'étais très content au début parce que c'était un objet qu'ils avaient sorti chez Micromania, Micromania Zing. C'était ouvert comme ceci en fait sur un stand et je me suis dit c'est cool, je l'ai cherché, je voulais pas forcément mettre, je crois qu'elles étaient passées à 49€ il me semble en promo chez Micromania. Mais voilà, je me suis dit, putain, c'est cool, les boules de Dragon Ball Z, hein, les boules de cristal. Et puis, en fait, quand j'ai refermé le couvercle, une fois que j'avais fini d'acheter, je me suis pas rendu compte, mais la boîte, c'est les fake boules de Dragon Ball, en fait. Si vous voulez, c'est ce qu'ils vendent plutôt chez les sites comme Wish ou AliExpress ou je sais pas quoi. Donc du coup, voilà, vous avez la seule différence qu'il y a, en fait, si vous voulez, c'est que les étoiles sont un petit peu plus épaisses sur la tranche, au lieu que ça soit juste... À plat et voilà, c'est la seule différence que j'ai remarqué. Et puis le coffret forcément qui fait un peu plus cheap, mais bon pareil, pour la somme de 5€, j'étais quand même très content, même si c'est pas les officiels, c'est pas grave. Alors à cette personne j'ai acheté deux objets, le premier le voici, c'est un Batman Lego, hop, qui tient plus trop debout et qui s'éclaire, qui donne l'heure. Voilà, il est super sympa, il est super bien fait. Donc ça, je l'ai eu pour la somme de 5€ également. Voilà, c'est la journée à 5 balles, c'est cool. Les mains bougent, il y a la cape, et ça, c'est clair. Ça, c'est cool. Et on va aller chercher la suite. Alors pareil, je vous ferai un plan un peu plus rapproché. Il y avait un album Pokémon. Alors, l'album, je l'ai payé vraiment un certain prix. Pour du vide-grenier, ça reste quand même assez haut. Mais pour toutes les cartes qu'il y avait dedans, je me suis dit qu'au final, ça restait quand même un très bon prix. Puisqu'il y a pas loin de 60 cartes et j'ai payé le lot 60€. Voilà, ça fait quasiment 1€ la carte. Mais vous pouvez vous rendre compte, il y a quand même des cartes vraiment très stylées dedans. Et voilà, ça s'arrête ici. Et vous avez vu, donc la première page, on a carrément droit à des GX fantômes. Donc ça, j'en ai rarement vu, en tout cas, j'en ai pas. Donc c'est plutôt sympa. Ou alors une seule, je sais plus laquelle. Et puis on a deux petites de la première série, qui sont le Vénard et Nidoking. Qui sont de moins en moins courantes comme ça, les cartes de la première série du set de base. Je vous montre vite fait les autres pages qu'il y avait, hop, si vous les voyez bien. J'espère que ça brille pas trop avec les reflets ou quoi que ce soit. 60€ l'album, vous avez pas mal de cartes très sympas. Ça fait 1€ la carte à peu près, hein, on n'est pas loin de ce prix là. C'est plutôt très correct, on va dire. Dans le rayon des jeux vidéo, nous avons trouvé avec ma chérie, puisqu'elle fait aussi le vide-grenier, The Book and Unreadables 2 sur Wii U. Pour la somme de 2€, il est en très bon état. Hop, quelques petites traces sur le CD, mais sinon rien à signaler. Voilà, peut-être le full set continue grâce à celui-ci. Donc un petit jeu Wii U, c'est plutôt sympa. On n'en trouve plus des masses maintenant des jeux Wii U. Et on trouve de manière générale presque plus de jeux vidéo tout simplement. Hein. C'est vraiment du très basique qu'on trouve. On passe sur une boîte. C'est pas un placement de produit, mais c'est Ariel. Et du coup, Ariel, c'est un échange que j'ai fait avec un exposant qui a pas mal d'objets que j'aime bien à chaque fois. Donc à chaque fois, on trouve des petits terrains d'entente. Et en fait, là, si vous voulez, il avait pas mal de personnages dans sa boîte, des Star Wars, un petit dinosaure de Jurassic World, des Ewoks. Ben voilà, il y a un peu de tout dans sa boîte. Il y a du Joker, enfin il y a un petit peu de tout, hop, des pilotes comme ça, voilà. Et voilà, il y a pas mal de choses, il y a encore des pilotes, hop, 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 il y a du Jurassic World bien entendu. Voilà, toute cette boîte de personnages, je l'ai échangée en fait contre un lot de figurines Dragon Ball Z, vous savez, les petites un peu molles comme ça qui étaient distribuées dans les distributeurs où vous mettiez 10 francs, vous tourniez et puis vous aviez votre petit personnage. Et bien voilà, ça a été échangé contre un lot d'une trentaine de figurines comme ça, tout simplement. Et puis,
il m'a fait, pour un prix plutôt raisonnable, le Mario et Donkey Kong qu'il a trouvé le matin même. C'est marrant parce que c'était dans un bac et la boîte était complètement vide et toute seule. Il y avait juste des briques de Lego à l'intérieur. Et en fait, lui, ils lui ont fait cadeau de la boîte qui contenait les Lego. Les gens s'en sont vraiment servis comme récipient, en fait, si vous voulez, juste pour mettre des Lego. Donc la petite boîte de Mario et Donkey Kong en plus avec l'échange. Alors une petite parenthèse, dans ces comptes rendus d'achat, il y a le Modern Warfare aussi que je viens d'acquérir et que je suis partiment pressé de découvrir avec Johnny puisqu'il est là-dessus depuis un moment. Et je voulais pas spécialement retourner me prendre un PSN et compagnie, j'étais plutôt tranquille sur mon Fortnite. Et puis finalement, il m'a motivé à le prendre. Alors pour l'instant, c'est les débuts, c'est un peu compliqué. En plus, comme c'est Call of, c'est toujours pareil. Les classes d'armes sont à débloquer au tout début. Donc il faut se faire au jeu, débloquer des petits atouts qui vont nous aider après à pouvoir être un peu plus précis dans le jeu. Donc pour l'instant, c'est un peu la phase d'apprentissage. Mais les graphismes sont sublimes. Alors à une personne qui vendait des bouquins Lego, je lui ai pris l'encyclopédie Shima. Alors je sais pas si je vous l'avais montré, mais récemment aussi j'ai eu l'encyclopédie des super-héros et aussi Ninjago. Donc il me semble qu'il me manque plus grand chose pour pouvoir avoir toutes les connaissances suffisantes pour reconstituer les personnages quand j'aurai des vracs de Lego. Donc c'est plutôt pratique ce petit livre, ça permet de reconstituer les personnages avec leurs bons éléments. Il y avait aussi le Lego Star Wars, le côté obscur, avec pas mal de petits éléments. Alors d'habitude ces livres sont fournis avec des figurines, là vous verrez qu'elles sont manquantes. Donc là vous avez surtout des petites scénettes avec des mini bandes dessinées, un petit peu action. Puis surtout les vaisseaux et ce qui va avec les personnages tout simplement. Hop. Mais j'ai déjà les deux livres qui permettent de faire les encyclopédies sur les personnages de Star Wars. Parce que c'est un bordel à reconstituer. Il y a tellement d'éléments différents. Il y avait un vendeur Lego qui vendait des Lego. Et puis effectivement, c'est un prix vraiment rarissime. Quand il m'a annoncé 1€ la poche, et ben j'ai pris le Lego Indiana Jones avec la tente. Et puis la notice, donc j'ai ce set là pour 1 balle. Franchement, ils ont débarrassé leur Lego, il y avait une superbe ferme. J'ai vraiment hésité à la prendre, elle était quand même assez imposante, mais elle était vraiment très bien réalisée. Et c'est pareil, c'était pour 15 ou 20 euros, je sais plus la ferme, mais vraiment costaud le truc. Mais j'ai un petit set Lego Indiana Jones pour la somme de 1€, c'est plutôt très bien comme prix. On va finir avec un dernier classeur de cartes Pokémon. Celui-là, je l'ai payé proportionnellement au nombre de cartes. Pareil, on va dire à peu près, puisque je l'ai payé 20€ quand même. Mais il y a des cartes quand même qui sont assez rares. Et c'est maintenant quasiment que des cartes comme ça qui vont me manquer pour compléter mes séries de cartes Pokémon. Pour peu que je voie encore les continuer jusqu'à ce qu'il y en a encore qui sortent, parce que je voulais m'arrêter à certaines, et puis au final, vu que j'arrive à avoir des nouvelles séries pour pas trop cher, je commence à remplir un classeur, et à chaque fois il me manque les dernières, voilà, celles qui vont au final, voilà, celles qui sont toujours en dernier. Là vous avez la 100 sur 48 par exemple, et c'est vrai que il me manque encore des cartes comme ça. Donc là vous avez encore celle-ci. Et ce qui était pas mal, on avait 3 Jumbo. Et on a le Dragofeu GX. Vraiment une sublime carte, très jolie carte. 20 balles pour combien de cartes du coup? Pas énorme, hein, parce que c'est pareil, c'est des cartes qui sont pas données du coup. 8 et 8, 16, 16 et 4, 20, et ben c'est tout, 20 cartes, 20 euros. Après on reste sur le prix, hein, comme je vous ai dit comme tout à l'heure, le classeur finalement, 1€ la carte, ça reste... raisonnable, mais c'est vrai que plus on en prend et plus vite ça fait grimper l'addition. On termine par une manette Nakon spéciale joueur pro PS4, enfin je sais pas, il y a des gâchettes, il y a des trucs en plus. C'était les manettes qui vendaient 100 balles à Micromania, pas loin de ça, puisque là elle était vendue 89€ chez Leclerc je crois. Ça se présente comme ça, dans un petit écrin. Et en fait, c'est un jeune qui l'a vendé, et le problème c'est que je sais pas ce qu'il a fait avec son câble, mais il l'a bousillé. Donc ce qui fait qu'il vendait la manette sans câble. C'est des manettes qui sont pas sans fil comme les classiques de la PS4, mais qui fonctionnent avec un câble filaire, parce que ça se veut avoir plus de réflexes quand vous avez un filaire que un sans fil. Ça va plus vite, on va dire, les informations vont plus vite. Là vous avez des boutons derrière qui font des gâchettes en plus, enfin, plein de trucs, des raccourcis pour que ça aille plus vite. Et la manette, elle se présente comme ça.
et il la faisait à 10 euros. Donc il faut juste qu'on retrouve un câble qui permette d'aller ici et qui va à la console. Mais rien que ce câble-là, on ne l'a pas vu moins cher que 20 euros. Donc si vous avez des bons plans pour ce genre de câble, n'hésitez pas. Mais pour l'instant, ça reste quand même pas donné pour un simple câble. Ou alors, il faudrait racheter une autre manette comme ça. Enfin bon, c'est pas pratique. Mais pour 10 euros, je pense que ça se tentait quand même, ne serait-ce que pour retrouver le câble. Peut-être un peu moins cher et du coup avoir une manette pour les 20 euros par exemple et puis tester ce que ça donne ça parce que elles sont paraît-il plutôt très pratiques. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu. On a fait le tour de ce qu'on a trouvé dans ce beau vide-grenier. C'est un vide-grenier qui a lieu vraiment très peu de fois dans l'année, c'est une fois par an et c'est un rendez-vous à pas louper à chaque fois. C'était l'endroit magique où j'avais trouvé un super lot Super Nintendo. Et je pense que des lots comme ça, bah, on en trouvera de moins en moins. Et ce qui me fait penser ça, c'est que mine de rien, cette année, en rétro gaming, eh bien, on n'a pas trouvé énormément de choses. Donc, bon, bah, peut-être que les gens les conservent chez eux, tout simplement. Et puis, qu'il y en aura de moins en moins. Et puis, comme j'aime à le dire en ce moment, c'est que quand on va dans un vide-grenier, par exemple, ça vient d'une logique toute simple et toute bête, c'est que si les gens ont vidé une fois leur grenier, bah, ils ne vont pas le vider deux fois et puis ils n'auront pas les mêmes objets. Donc, s'ils n'avaient qu'une 64, ils n'en auront pas deux. C'est très logique, hein. Ça se rarifie, en tout cas, dans ces endroits-là. Par contre, ce qui devient intéressant, c'est que maintenant, sur des sites comme par exemple eBay ou autre, vous retrouvez du rétro gaming pour vraiment raisonnablement pas cher, parce qu'on dirait que le marché est un petit peu sur le creux de la vague, si vous voulez. Donc c'est, on va dire, un bon moment pour acheter des objets pour sa collection, parce que y a maintenant de belles opportunités. Et puis, bah, surtout, eh ben, vous pouvez choisir ce que vous voulez qui vous fait plaisir, parce que c'est vrai qu'en vide-grenier, bah, c'est une collection qui n'est pas choisie, mais c'est vrai qu'on tombe quand même sur des lots qui nous permettent quand même de faire des affaires vraiment sympas, et c'est vrai qu'on ne choisit pas les jeux qu'on prend, mais dans les lots, il y a toujours un jeu qui nous plaît quand même, donc c'est toujours sympa. Voilà, donc bah, on désespère pas toujours de faire des affaires dans les vide-greniers, c'est toujours l'actualité, mais disons qu'on compte beaucoup moins dessus en tout cas, et on a aussi bah, tout simplement bah, freiné nos achats, puisque on manque terriblement de place. Et c'est tout à fait compréhensible puisque les mètres carrés ne sont pas extensibles, on ne peut pas pousser les murs et puis bah, faut pas non plus que ça devienne un endroit où il y a trop de choses comme ça, c'est pas possible, donc on réduit, surtout que j'ai envie de développer le côté Lego, donc il va y avoir un duel assez improbable entre la brique et le disque ou la cartouche. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le petit retour aux sources. Et je vous souhaite aussi de très bonnes fêtes de fin d'année, puisqu'on y arrive très bientôt. Et puis, ben, qui sait, en 2020, voilà, si vous êtes au rendez-vous, je vous ai déjà promis, on va dire, deux vidéos au moins, pour du passage secret et puis du... que je me souvienne, un petit room tour, voilà, de ce qui se, des petits changements dans la gaming room. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous nous suivez depuis un petit moment et que vous vous demandez ce qui se passe un petit peu, est-ce qu'il y aura encore des vidéos ou pas, je dis que oui, mais certes en moins grand nombre qu'il fut un temps, tout simplement, puisque ben on a moins le temps déjà et on a moins la place, donc forcément il y a peut-être un côté flux vidéo qui sera altéré par ça, et on va essayer de le compenser avec des vidéos un petit peu plus travaillées et qui nous plaisent davantage à réaliser et à vous proposer. Et puis les retours sont toujours très positifs sur ces vidéos là on a atteint quand même 1000 likes sur la vidéo du passage secret de la gaming room, donc c'est vrai que c'est un grand motivateur et un nombre de vues assez conséquent, donc c'est vrai que je vous en remercie davantage. Et puis, ben, ça me motive, moi, à vous proposer par la suite d'autres créations comme celle-ci. Je vous dis à très bientôt. Restez connectés, restez abonnés. C'était HBTV. Ciao !